¿no? Oh. Je, je crois avoir été clair. Nous censurons tout autre gouvernement que celui de. C'est pas, -ce pas du sectarisme. Est-ce que c'est pas du sectarisme Non. Pourquoi Pourquoi je dis cela Et que ça, Je dis, je dis ça cela. Favorise l'intérêt de la France. Vous savez quel était l'argument numéro un d'Emmanuel Macron au départ C'était d'expliquer qu'il ne pouvait pas nommer Lucie Castex parce qu'il y avait des insoumis dans le gouvernement. Nous l'avons pris de court avec la question qu'a posé Jean-Luc Mélenchon en disant s'il n'y avait pas de ministre insoumis dans le gouvernement du Nouveau Front Populaire, seriez-vous d'accord pour que le Nouveau Front Populaire gouverne sur son programme Et la réponse unanime. A été non. Donc la question n'est pas le problème des insoumis. La question n'est pas un problème de personne. C'est une question de problème sur le programme que nous voulons porter. Et quelle est la garantie que nous apporte Lucie Casté Eh bien, justement, d'appliquer le programme sur lequel nous avons toutes et tous été élus. Voilà ce qui est le respect de la parole donnée aux électrices et aux électeurs. Mais Mathilde Panot, vous nous dites censure de tout gouvernement si ce n'est pas Lucie Casté qui est première ministre. Les LR, les macronistes nous disent censure de tout gouvernement s'il y a des insoumis. On a l'impression qu'il y a une impossibilité, une impasse. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent se dire mais on a zéro solution. Est-ce qu'il n'y a pas une sûr, forme d'irresponsabilité Alors non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas nommer Lucie Castet. C'est parce que, contrairement à ce qui est dit, euh, quand euh, certains des groupes font les gros bras en disant qu'ils nous censuraient immédiatement, eh bien, je vais vous dire, nous, nous avons dit que la première de nos décisions serait un décret pour suspendre l'application de la réforme de la retraite à 64 ans, pour ensuite passer par le Parlement, pour abroger et annuler complètement cette réforme. Eh bien, lorsque vous êtes parlementaire, des républicains, parlementaires, macronistes, et que ce décret est pris immédiatement. Que vous savez que peut-être dans dix mois il y aura une dissolution. Vous croyez-vous vraiment que vous voulez censurer immédiatement un gouvernement alors que 90, 80, 75 des gens de votre circonscription sont favorables à ce que nous proposons. Croyez-vous qu'il soit facile de censurer un gouvernement qui proposerait immédiatement l'augmentation du smic et une conférence sur les salaires avec les partenaires sociaux Eh bien, je crois que no, le rapport de force populaire est fort de notre côté qu'ils savent et que les, les mesures que nous prendrions sont tellement populaires qu'ils auraient du mal à nous censurer. Donc ce n'est pas vrai. Nous pouvons gouverner. Voilà ce que nous disons et c'est pourquoi nous appelons toujours Lucie Casté à Matignon. Sinon Macron destitution. Dans cette vidéo, Mathilde Panot livre un discours cinglant contre le gouvernement français qu'elle accuse de mener une politique autoritaire, déconnectée des réalités du peuple et contraire aux principes démocratiques. En annonçant la saisie du Conseil constitutionnel, elle marque une étape décisive dans la lutte contre ce qu'elle considère comme des dérives inquiétantes de l'exécutif. Pour elle, ce gouvernement ne se contente pas de bafouer les droits fondamentaux et de renforcer les inégalités sociales, mais il met en péril l'essence même de la République. Pano ne cache pas son indignation face à une politique qui, selon elle, privilégie les intérêts d'une élite au détriment des citoyens, tout en accentuant les fractures sociales. Dans son discours, elle évoque avec force la nécessité de défendre la Constitution, de préserver les principes de la démocratie et de lutter contre les abus de pouvoir. Pour elle, ce gouvernement ne respecte plus les institutions et les valeurs républicaines, et il est grand temps que les parlementaires, au nom du peuple, interviennent pour remettre en question une politique qui semble se défaire des équilibres démocratiques. Ce geste symbolique de saisir le Conseil constitutionnel est donc présenté comme une action décisive pour protéger les libertés publiques et stopper une dérive autoritaire qui menace d'installer une véritable république des élites. Vous avez annoncé, vous, hier soir, saisir le Conseil constitutionnel car vous estimez que les ministres démissionnaires qui exercent aussi en tant que députés, euh, c'est un problème démocratique pour vous, un problème institutionnel est ce que c'est un nouveau coup pour déstabiliser le président ce n'est pas un nouveau coup c'est une manière de mettre un terme à une situation qui je crois est en violation totale de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la question justement de la séparation des pouvoirs pourquoi vous avez des députés qui siègent à l'assemblée nationale qui sont d'ailleurs les ministres qui ont fait basculer le vote de la présidence de l'assemblée mais je mets ça de côté mais ce sont des députés qui siègent et qui sont en même temps ministres démissionnaires, mais lorsqu'on regarde ce gouvernement démissionnaire, eh bien ce gouvernement démissionnaire ressemble de plus en plus à un gouvernement de plein exercice. Pourquoi Depuis le 16 juillet, il y a eu 1300 décrets arrêtés, mmh. publiés au journal officiel. Il y a un budget qui est en préparation. Il y a eu dans l'été une annonce de 500 suppressions de postes de contractuels, soit un quart des postes de contractuels de la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a eu euh, récemment, cette semaine, une conférence... De presse de Nicole Belloubet qui fait de nouvelles annonces sur la rentrée qui ne correspond absolument pas aux affaires courantes. Mais c'est le principe de et... qui gère les affaires courantes, en Oui, enfin, commune. il faut que vous compreniez que plus un, un gouvernement qui gère les affaires courantes dure, plus eh bien ce gouvernement prend des décisions politiques. Le record de la 5e République d'un gouvernement démissionnaire, c'est 9 jours. Le record de la 4 République, c'est 38 jours. Nous sommes d'ores et déjà. À 45 jours avec un gouvernement qui ne peut ni être censuré, mmh. ni être contrôlé par le Parlement, ni même être interrogé par le Parlement. Mais qu'est-ce qui vous dérange C'est le fait qu'ils exerce aussi, qu'il soient également députés, ou c'est uniquement le bah fait je... qu'ils prennent des décrets, justement, qui, selon vous, dépassent les affaires courantes Vous savez, dans la Constitution, un député n'a pas le droit d'être ministre en même temps. Et vous vous retrouvez, par exemple, avec M. Attal, qui siège en conférence des présidents, qui décide de l'ordre du jour législatif de l'Assemblée, alors qu'il est toujours Premier ministre démissionnaire. Mais la situation vous est un avez... peu différente lorsque. Un ministre et des missionnaires. Les constitutionnalistes sont d'ailleurs. Euh, oui, d'accord, mais plus, hein. le, plus le temps dure, plus cette situation devient UBS. Vous avez un président de commission, la mmh. commission des affaires étrangères, dont le rôle est de contrôler l'action du gouvernement, qui se retrouve aussi donc à contrôler un gouvernement dont il est lui-même membre, comme ministre mmh. euh, des affaires européennes. Donc nous sommes dans une situation de violation totale de la séparation des pouvoirs, dont on sait depuis trois siècles mmh. au moins et Montesquieu que le pouvoir arrête. Mais le pouvoir. Mathilde Panot, on a l'impression que vous faites cette procédure parce que vous n'avez pas. Encore... Encore engagé la procédure de destitution du président de la République. Est-ce que vous avez toujours l'intention de le faire ou pas mais bien sûr que nous engagerons la destitution du président de la République. Même si elle semble impossible à mettre en œuvre. En... En... Vous, elle... vous allez le faire quand Vous allez en le faire quand Alors, on va le faire très bientôt. La résolution est prête et nous sommes prêts à la proposer à l'ensemble des parlementaires en dehors du Rassemblement National et en dehors de Monsieur Ciotti. Il faudra expliquer. attendre. Il faudra attendre le début de la session ou pas de la session d'ouverture. De, de, de alors de non. Alors il faut un dixième octobre. des députés, donc 58 députés, pour pouvoir déclencher la procédure. Nous l'avons en notre sein, mais j'ai entendu par exemple que Sandrine Rousseau était favorable à la destitution, donc euh, nous pourrions être, euh, avoir des gens qui sont en dehors du rang des insoumis. Donc ça passe par le Donc bureau de l'Assemblée nationale. vous déposez nationale, une alors. résolution. Ensuite, ça va au bureau de l'Assemblée nationale, qui normalement est prévu le 11 septembre, et qui, euh, s'il y a une majorité au bureau, permet ensuite d'aller en commission des lois. Or, le nouveau Front populaire a une majorité au bureau, et vous aurez remarqué que la semaine dernière, quatre jours après notre proposition, mmh. il y avait 44% des Français interrogés qui se disaient... Favorable à la destitution du président s'il ne respectait pas le résultat des urnes et que, aujourd'hui, cette semaine, nous sommes à 49%. Mmh. Donc plus le temps passe, plus la pression populaire va s'accroître sur l'ensemble des parlementaires, sur ce qu'ils vont devoir faire. parce mais que vous tout avez l'impression que la présidente de l'Assemblée nationale fait traîner la possibilité pour vous de mettre en œuvre cette destitution du président de la République très concrètement bah, est vrai... que vous, vous devez avoir recours à un bureau de l'Assemblée nationale euh, qui est prévu et qui pourra... Ah bah, en tout cas, il est important que ce bureau acté. puisse avoir lieu puisque euh, c'est dans ce bureau que non ouais. seulement pourront être actées la procédure de destitution, mais aussi la possibilité de censurer un gouvernement qui serait autre que celui de Lucie Casté. Donc je disais 10% des députés, donc 58 députés mmh. pour la déposer, ensuite le bureau, ensuite la commission des lois, puis l'hémicycle, où si vous regardez, il faut deux tiers des députés, et euh, il y a moins d'un tiers des députés macronistes. Donc normalement, oui, nous pouvons réussir à destituer celui qui pose problème dans ce pays, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Celui qui pose problème, Emmanuel Bompard parlait la semaine dernière ici même d'un autocrate en parlant d'Emmanuel Macron. Dans sa note de blog publiée hier, Jean-Luc Mélenchon le comparait à, à Donald Trump, je le cite. En niant les résultats des élections comme l'avait déjà fait aux États-Unis Trump avec l'insurrection du Capitole, Macron marche à l'avant-garde de la fin du projet démocratique. Vous iriez, vous aussi, jusqu'à le comparer, Macron, à, à Donald Trump Mais oui, en, enfin, il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Vous avez eu des élections. Des élections dont tout le monde disait, dans les 27 sondages, dans tous les sondages des législatives, lorsque l'extrême droite devait arriver en tête. Eh bien, dont tout le monde disait qu'au vu de la mobilisation exceptionnelle lors de ces élections, le résultat serait... Incontestable. Eh bien, nous sommes maintenant plus de 55 jours après les élections législatives et il n'y a toujours pas eu une seule reconnaissance du résultat des urnes, non seulement de la, la défaite d'Emmanuel hein. Macron, ouais. mais de la nomination d'un gouvernement. Et je le dis, la semaine prochaine il y aura la rentrée. Nous, nous avons dans nos mesures d'urgence, évidemment, l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, l'augmentation du SMIC et des salaires, mais aussi euh, l'école complètement et entièrement gratuite. Vous mettez un signe égal entre Emmanuel Macron et Donald Trump mais je le, sur, sur la question de la non-reconnaissance du résultat des élections, oui, je crois que nous avons un problème similaire euh, à celui qu'a fait euh, Donald Trump, évidemment. Il a eu recours à la violence Oui, alors euh, oui. Mais ce qui, est, ce qui est déplorable, on est mais, bien d'accord. Mais, mais, mais enfin, vous vous rendez compte que nous, c'est déplorable qu'on doive appeler, avec des organisations de jeunesse, le 7 septembre, euh, c'est-à-dire deux mois après les élections législatives, à devoir se mobiliser dans les rues, juste pour qu'on respecte le résultat des urnes. Vous savez, quand nous sommes dans une démocratie, mmh. eh c'est le vote qui permet de trancher à chaque instant quel chemin politique et quel projet politique choisit le pays. Mais que vous si les élections ne ce comptent que plus, qu'est-ce qu qui se passe Ce que vous souhaitez toujours, en fait, c'est une démission du président de la République. C'est ce que vous nous dites à peu près. Ce que, nous, ce que nous, demandons si en priorité, si ce, que nous ce que nous préférons, ce que nous préférons pousser à la démission et une élection présidentielle anticipée. C'est cela alors, votre objectif. Écoutez, notre objectif, c'est que Lucie Castex puisse gouverner. Elle aurait déjà dû, avec son gouvernement du Nouveau Front Populaire, faire l'abrogation de la réforme de la retraite qui est haïe par l'immense majorité du peuple français. Elle aurait déjà dû augmenter les salaires alors que euh, un nombre de millions de gens mmh. se retrouvent dans des situations de précarité qui sont indignes de la septième puissance économique au monde. On aurait déjà dû avoir L'école réellement gratuite, notamment la cantine, alors que beaucoup pour beaucoup d'enfants, c'est l'unique repas qu'ils ont. Vous ne demandez pas avoir. la démission du président de la République ce matin, pour être Mais clair. nous, nous disons que s'il ne respecte pas le résultat des urnes, et comme il dit non à Mme Castet, nous irons jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire d'utiliser un article de la Constitution. Si on ne pouvait pas l'utiliser, pourquoi le mettre dans la Constitution C'est l'article 68 qui permet la destitution du président de la République. S'il ne veut pas être destitué, il n'a qu'à respecter le résultat des urnes. Mathilde Panot, Emmanuel Macron était hier. Et en Serbie depuis hier soir et depuis la Serbie il a déclaré qu'il faisait je le cite tout son possible jour et demi pour aboutir à la meilleure solution pour le pays et pour trouver donc euh, un, un postulant et un, un nouveau Premier ministre. Et c'est le nom de Bernard Cazeneuve qui circule le plus et avec insistance ces dernières heures. Est-ce que pour vous, c'est un Premier ministre qui, euh, qui aurait votre soutien Est-ce que vous voteriez une censure contre Bernard Cazeneuve Rappelons-le, qui a été Premier ministre de François Hollande et qui vient du Parti socialiste. Bien sûr que nous voterions une censure contre M. Cazeneuve. Je vais vous le dire très clairement. Nous ferons des motions de censure contre tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par Lucie Castex, Parce que Lucie Castex est la candidate que nous avons choisie ensemble avec le nouveau Front Populaire. Et lorsque vous regardez l'ensemble des formations politiques du nouveau Front Populaire, toutes ont dit qu'elles censuraient ce qui serait la continuité d'une politique macroniste et euh, qui serait en dehors du nouveau Front Populaire. Donc non, M. Cazeneuve ne correspond pas du tout euh, à. Il n'est pas de gauche pour vous, il n'a jamais été de gauche. Bah écoutez, euh, je crois que ce qui a fait euh, une des choses qui a fait le plus de mal à la gauche ces dernières années, c'est ces le quinquennat de François Hollande, qui en quelque sorte a essayé de faire croire aux gens que, qu'on soit de gauche ou de droite, de toute façon, c'était les mêmes politiques qui étaient menées, avec, euh, je crois, des promesses qui n'ont pas été euh, tenues. Donc, euh, non, François Hollande, enfin, qui est au sein de votre coalition est... d'ailleurs. Ouais. Oui, non, mais d'accord, ouais. mais ce n'est pas, pas la candidature. La, notre candidature, c'est Lucie Casté, et nous censurons tout autre gouvernement que celui Mais de la Lucie gauche. La, la gauche est, euh, se divise maintenant sur Lucie Casté, c'est-à-dire que par exemple, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, euh, dit qu'il faut continuer à discuter avec le président de la République pour euh, trouver un, un premier ministre venant des rangs de la gauche, certes, et le nom de Bernard Cazeneuve. Et eh bien, Carole Delga l'avance. Donc, euh, il n'y a pas d'unité aujourd'hui sur derrière le nom de Lucie Casté. S'il si, y a une unité parce que à le Parti creuve. socialiste est dirigé par Monsieur Fort et que Olivier. Faure a dit très clairement lors des consultations avec euh, le président de la République qu'il n'y aurait le soutien socialiste à un gouvernement que s'il était dirigé par Lucie Castex. Donc la, dit parole de Devant... mmh. ben, écoutez, la parole de Carole Delga ne vaut rien Écoutez, c'est la parole de Delga à l'intérieur de son parti mmh. qui effectivement est divisée, ça ce n'est pas mon problème. Qui a été consulté Mais je le dis, les quatre mmh. organisations sont toutes derrière la candidature de Lucie Castet. Mais ce que, ce que, on a du mal à comprendre ce dire que la situation de blocage en fait pour vous à gauche, elle... Persiste si jamais Lucie Castet n'est pas nommée. Le président de la République dit Je ne nommerai pas euh, Lucie Castet. Donc en fait, vous dites parfois Nous sommes prêts à des compromis, mais il n'y aura pas de compromis. Il n'y a pas de culture chez vous au Nouveau Front Populaire de la coalition telle qu'on peut la trouver par exemple en Allemagne. Mais il n'y aura si pas vous... cette volonté de votre part. Ce sera Lucie Castet. Ou rien. Oui, c'est Lucie Casté ou rien. Si vous appelez euh, des compromis le fait de faire une alliance avec les Macronistes qui ont été battus à la fois dans les élections européennes et dans les élections législatives, eh bien je le dis très clairement, ça sera jamais jamais nous ne ferons une alliance avec les macronistes, parce que nos programmes sont antagonistes. D'un côté, oui. vous avez une austérité très forte, et nous, nous voulons par exemple réinvestir dans les services publics. Mais ensuite, si vous dites que le compromis, c'est de faire le débat parlementaire, ce que fait chaque gouvernement. Un gouvernement arrive avec un texte, et ensuite, c'est le débat parlementaire dans lequel nous trouvons Mano, si on... bon, des manières de Didier faire Didier passer Migo, les textes. Par exemple, Didier Migaud, qui vient du Parti Socialiste, son nom circule aussi, il a été président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, premier président de la Cour des Comptes, il a, pré... il a présidé haute autorité pour la transparence de la vie publique est-ce que là aussi vous dites ben non on ne le soutiendra pas même s'il partage une partie de vos principes et de vos valeurs Mais non je, je crois avoir été clair nous censurons tout autre gouvernement que celui de c'est pas, -ce pas du sectarisme est-ce que c'est pas du sectarisme non pourquoi pourquoi je dis cela et que ça je dis je dis cela parce que, de la France. que vous savez quel était l'argument numéro un d'Emmanuel Macron au départ c'était d'expliquer qu'il ne pouvait pas nommer Lucie Castex parce qu'il y avait des insoumis dans le gouvernement nous l'avons pris de court avec la question qu'a posé Jean-Luc Mélenchon en disant si il n'y avait pas de ministre insoumis dans le gouvernement du Nouveau Front Populaire. Seriez-vous d'accord pour que le Nouveau Front Populaire gouverne sur son programme Et la réponse unanime a été non. Donc la question n'est pas le problème des insoumis, la question n'est pas un problème de personne, c'est une question de problème sur le programme que nous voulons porter. Et quelle est la garantie que nous apporte Lucie Casté Eh bien, justement, d'appliquer le programme sur lequel nous avons toutes et tous été élus. Voilà ce qui est le respect de la parole donnée aux électrices et aux électeurs. Mais Mathilde Panot, vous nous dites. Censure de tout gouvernement si ce n'est pas Lucie Castex qui est première ministre. Les LR, les macronistes nous disent censure de tout gouvernement s'il y a des insoumis. On a l'impression qu'il y a une impossibilité, une impasse. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent se dire mais on a zéro solution. Est-ce qu'il n'y a Bien pas une possible. forme d'irresponsabilité politique je vais, vous expliquer. je vais vous expliquer pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas nommer Lucie Castex. C'est parce que, contrairement à ce qui est dit, euh, quand euh, certains des groupes font les gros bras en disant qu'ils nous censuraient immédiatement, eh bien, je vais vous dire, nous, nous avons dit que la première de nos décisions serait un décret pour suspendre l'application de la réforme de la retraite à 64 ans, pour ensuite passer par le Parlement, pour abroger et mmh, annuler mmh. complètement cette réforme. Eh bien, lorsque vous êtes parlementaire, des républicains, parlementaires, macronistes, et que ce décret est pris immédiatement. Que vous savez que peut-être dans dix mois il y aura une dissolution. Vous croyez-vous vraiment que vous voulez censurer immédiatement un gouvernement alors que 90, 80, 75 des gens de votre circonscription sont favorables à ce que nous proposons. Croyez-vous qu'il soit facile de censurer un gouvernement qui proposerait immédiatement l'augmentation du SMIC et une conférence sur les salaires avec les partenaires sociaux Eh bien, je crois que le rapport de force populaire est tel Tellement fort de notre côté qu'ils savent et que les, les mesures que nous prendrions sont tellement populaires qu'ils auraient du mal à nous censurer. Donc ce n'est pas vrai. Nous pouvons gouverner. Voilà ce que nous disons et c'est pourquoi nous appelons toujours Lucie Castet à Matignon, sinon Macron destitution. L'un des axes majeurs du discours de Mathilde Panot est la dénonciation d'une concentration excessive du pouvoir exécutif, particulièrement sous Emmanuel Macron. Elle accuse le président et son gouvernement de gouverner contre le peuple et de prendre des décisions sans respect des contre-pouvoirs démocratiques. Cette critique repose sur une vision de plus en plus partagée par une partie de la gauche qui considère que Macron, tout en revendiquant une approche modernisatrice de la politique, a en réalité mis en place une politique qui érode progressivement les principes de séparation des pouvoirs et de contrôle démocratique. L'anneau articule son discours autour d'une défense forte des principes républicains, notamment la séparation des pouvoirs, l'équilibre des institutions et la défense des libertés publiques. Pour elle, la politique menée par Macron, qu'elle considère de plus en plus autoritaire, mine ses principes. Elle fait écho à un sentiment largement partagé au sein de la gauche, selon lequel le président, en s'appuyant sur une majorité absolue à l'Assemblée nationale, chercherait à imposer son agenda sans véritable dialogue avec l'opposition et la société civile, ce qui affaiblirait la légitimité de ses actions. Autre, Mathilde Panot constitue un acte fort de contestation contre un gouvernement qu'elle accuse d'agir de manière antidémocratique et autoritaire. Non, sinon Macron destitution. Ségolène Royal a fait des offres de services hier ça vous inspire quand même. Mais grand bien lui fasse, mais là aussi, je le dis, je continue sur la ligne que nous tenons, ouais. c'est-à-dire celle que nous, sur laquelle nous nous sommes mis d'accord avec le Nouveau Front Populaire, qui est euh, le programme avec Lucie Casté à Matignon. Mais Mathilde Panot, euh, le Président de la République aujourd'hui, c'est bien Emmanuel Macron, et l'article 8 de la Constitution est clair, c'est le Président de la République qui nomme le Premier ministre. Ça veut dire quoi pour vous Ça veut dire qu'il faut changer la Constitution euh, de rechef dès maintenant pour empêcher le Président de la République de, de nommer le Premier ministre. Tout cela est impossible dans les textes et immédiatement, même si. Si vous voulez aller vers une sixième République, il faut respecter la Constitution. Oui, bah la pas la Constitution pas la ne dit pas Emmanuel Macron je... le Premier ministre. Non, hein. mais et la Constitution mmh. ne dit pas euh, Emmanuel Macron choisit le Premier ministre. Il dit, il nomme le Premier ministre. Ce qui, dans toute démocratie, est la personnalité qui est arrivée en tête dans, dans la coalition au moment euh, du, euh, des législatives. Et c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Et deuxième chose sur laquelle je voudrais mmh. euh, attirer votre attention, vous regarderez quand même que euh, la Constitution ne dit pas dans quel délai il doit nommer. Pourquoi parce que jamais personne n'a pensé qu'un président de la République... Refuserait de respecter la souveraineté populaire et refuserait de nommer le Premier ministre ou la Première ministre proposée par la coalition arrivée en tête. Mais parce qu'il y, jamais... qu y a une de majorité évidente, ça, vous ne pouvez pas le. D'accord, mais ça, ce n'est pas lire. le rôle du président de la République. Le rôle du président Là, il de doit la trouver République, le... c'est de doit nommer trouver la personnalité le... arrivée en tête. Et ensuite, c'est au rôle non, du doit être, chef du, il doit du doit gouvernement. Être capable, qui doit être capable de mettre en place, en œuvre, une politique mais avec je vais... une majorité. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi ne nous a-t-il pas nommé alors s'il est si persuadé que nous allions être censurés pourquoi ne nous a-t-il pas nommé pour ensuite que euh, Lucie Castex soit censurée et qu'ils disent passons à autre chose Pourquoi ne le fait-il pas Parce qu'il dit qu'il veut une stabilité, justement. Il veut ah, s'assurer cette ce stabilité. ce n'est pas le rôle du président de la République. Ça, c'est le rôle du chef du gouvernement. Dans la il Constitution, ne le fait il doit parce être parce garant justement du bon nous fonctionnement, nous pouvons malgré tout. Durer. Il sait que nous pouvons durer sur notre programme, notamment parce que oui, il y a des majorités, par exemple, sur la taxation des super profits, la taxation des dividendes. Et je vais vous dire, c'est urgent parce que vous avez dû voir le baromètre des enfants à la rue qui a été fait hier mmh. euh, par l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité qui montre que depuis 2020, il y a une augmentation de 120% des enfants sans-abri. 2043 enfants, ils étaient 967 en 2020, avec 500 d'entre eux qui ont moins de 3 ans. C'est d'une indignité totale dans la 7 puissance économique au monde. Eh bien, par exemple, pour cette raison-là, pour cette urgence-là, le nouveau Front Populaire doit gouverner et vite. Et nous avons largement évoqué ce sujet, effectivement, dès hier matin sur France Info. Mathilde Panot, vous restez avec nous Toujours avec Mathilde Panot, notre invitée présidente du groupe. La France insoumise à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot, les recettes de l'État ont été moindres qu'espérées en 2024, seront moindres qu'espérées cette année. C'est ce que dit le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, qui est issu de vos rangs, de LFI, Éric Coquerel, à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre démissionnaire des comptes publics. Euh, Eric Coquerel dit qu'il y a moins de recettes espérées que ce soit l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Ça veut dire, c'est ce que on peut en conclure, qu'il va falloir faire des économies, même si vous arrivez. Au pouvoir. Alors, vous avez d'un côté euh, ceux qui sont les chantres de l'austérité, c'est ce que propose le gouvernement actuel 25 milliards d'euros d'économie sur euh, 2024, 10 milliards supplémentaires sur 2025, c'est ce qu'il propose avec un budget. Alors que là aussi, euh, le fait de préparer un budget n'est pas une affaire courante oui. puisque c'est une affaire euh, extrêmement politique. Mais euh, surtout, euh, vous avez le choix entre donc, cette austérité, alors que vous avez vu l'état des hôpitaux dans ce pays de l'éducation nationale qui sont à l'os, ou vous choisissez de faire des nouvelles. Recettes. Et c'est ce que nous nous proposons dans notre programme. Nous avons un programme les qui non seulement eh bien, oui, sur les plus riches, oui, par exemple, de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune renforcée, de taxer les superdividendes, j'en parlais tout à l'heure, ce que le modem avait porté euh, à une époque, bref, de faire un partage des richesses pour que dans la septième puissance économique en monde, on cesse d'être dans un océan de malheur, qui est là aussi indigne de notre pays. et je vais même vous dire, lorsque vous partagez les richesses, vous aidez l'économie du pays. parce que, euh, on a parlé tout à l'heure, vous avez brièvement évoqué le smic à 1,600 euros. peut-être ne le savez-vous pas, mais l'économie française est faite à 53% de la consommation populaire. Et donc lorsqu'il n'y a plus de consommation populaire, c'est des gens qui ne vont plus au restaurant, qui ne peuvent plus aller se payer des petites vacances quelque part, qui ne peuvent plus se payer des petits plaisirs de la vie. Ce sont des, donc des emplois en moins, des carnets de commandes qui ne sont pas remplis. Et donc le fait d'augmenter les salaires et de partager les richesses aide l'économie française. Mais ce SMIC à 1600 euros, on l'a aussi entendu euh, du côté des petites entreprises ou des, des petits euh, artisans aussi qui nous disent, mais oui, mais moi, le SMIC à 1600 euros, je vais avoir du mal parce que ça va augmenter mes charges, que l'énergie coûte plus cher, les cotisations, vous l'avez entendu aussi, et, et qu'à côté de ça, je ne vais pas pouvoir augmenter le, 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 le prix de, de ce que je vends. Euh, Qu'est-ce que vous proposez face à cela Parce qu'on a entendu parler de, de compensation, mais quelles sont ces compensations Est-ce que l'État doit vraiment toujours compenser Alors à court terme, euh, déjà, je le dis, il y a eu tellement d'exonérations qui ont été faites sur SMIC et bas salaires par les gouvernements précédents que à court terme, des PME-TPE gagnent au fait qu'il y ait une augmentation euh, des salaires. Je le dis pour que ça soit très clair, il n'y a aucun problème là-dessus. Et quand vous regardez euh, les voisins, vous avez par exemple l'Espagne qui a augmenté son salaire minimum de 54% en 6 ans et quant à l'Allemagne, elle l'a augmenté de 36% en 6 ans, sans qu'il y ait une catastrophe économique, comme on est en train de nous l'expliquer. Donc je le dis, pourquoi est-ce que ça aide les petites et les moyennes entreprises Parce que ça remplit le carnet de commandes. Parce que lorsque vous êtes, par exemple, une petite brasserie, un petit restaurant, eh bien, euh, s'il y a plus de gens qui viennent de manger, parce qu'ils ont retrouvé un peu de respiration et qu'ils peuvent se faire plaisir à aller une fois de temps en temps au restaurant, eh bien vous pouvez peut-être embaucher un serveur. Mais c'est en entendre que c'est par principe qu'ils ne veulent pas augmenter les impôts. Mais je pas du tout. chef ah, peut-être l'avez-vous été, mais je ne crois pas, ni moi nous, nous, ni, ni nous ici, euh, savons mieux que à quel point il peut être compliqué de gérer au quotidien une, une affaire, une PME, un restaurant comme vous le dites, et d'augmenter les salaires de... Mais je aussi le quand vous demandez vous le quand hein. vous demandez aux petites et aux moyennes entreprises ce qu'elles veulent, c'est euh, remplir le carnet de commandes, pouvoir travailler. C'est ça qui permet de faire. Je ne dis pas du tout que euh, les petits patrons ne veulent pas augmenter euh, leurs salariés. Je ne le dis pas du tout. Je dis qu'il est possible de le faire. Et nous, nous avons parlé à plusieurs reprises d'une caisse de péréquation pour aider euh, à payer les cotisations entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Donc c'est l'État qui abonderait. Non, pour les grandes entreprises qui abonderaient, non, ce entreprise qui abonderaient euh, cette caisse de péréquation. C'est ce oui. une des choses que nous proposons pour aider les petites et moyennes entreprises. Mais je le redis, elles ont entièrement intérêt à faire en sorte qu'on augmente les salaires. Dans dans ce pays et que les gens puissent mieux vivre. On a donc abordé la question du SMIC euh, qui fait partie de votre programme. Il y a également dans votre programme l'abrogation de la réforme des retraites. Sur le sujet, euh, il y a peut-être un compromis puisque François Bayrou a lui-même estimé euh, sur France Info en début de semaine qu'il était peut-être possible de trouver un nouveau compromis, d'avoir de nouvelles discussions sans forcément abroger cette réforme des retraites. Est-ce que vous estimez que c'est un pas vers vous euh, bon, peut-être c'est bien que M. Bayrou dise ça, mais enfin, je veux quand même que vous réalisiez que dans la dernière mandature, mmh. déjà dans la configuration précédente de l'Assemblée, la réforme de la retraite à 64 ans allait être battue. Personne n'a jamais voté. Pour cette réforme de la retraite à 64 mmh. ans. Non, mais là de nouvelles discussions que... avec les partenaires sociaux. Est-ce que ça vous intéresserait Non, mais d'accord, oui. Alors moi, bien sûr, nous discuterons avec les partenaires sociaux, mais quand même, je veux que vous réalisiez que la réforme des retraites et l'ensemble des réformes faites sur l'assurance chômage mmh. ont été faites contre l'ensemble des partenaires donc sociaux. Vous ne, vous ne donc c'est intéressant. Vous maintenant, qu'ils ont perdu. Aucune main tendue. Enfin, mais non, mais c'est pas euh, ça. Mais vous comprenez qu'il y a un problème au fait que dans l'intérêt de la France, il ne peut pas y euh, avoir cette entente là. Les Français qui nous écoutent. Mais si mais pour abroger la réforme de la retraite, il y aura un accord avec. Par exemple, les députés de Lyot, certains des députés LR qui voulaient voter contre. Mais Donc c'est comprenez... tout votre programme avec votre programme mais oui, et à partir de là, il y aura un débat parlementaire et on verra ce que donne le débat parlementaire. Mais vous comprenez que là, nous sommes sur un marqueur énorme, avec deux ans de vie volés aux Français, 93% des actifs qui étaient contre, et que c'est un peu simple, lorsqu'on a perdu, de dire finalement, n'abrogez pas tout. Eh bien, si, nous allons annuler cette réforme de la retraite. C'est pas nous, parce que vous me disiez, c'est avec Lucie Castet, mais euh, d'autres noms circulent à gauche. Euh, Joana Roland, la maire PS de Nantes, euh, Fabien Roussel, Yannick Jadot, Benoît Hamon, c'est un nom qui est avancé aussi par Corol Velga. Tous ces noms-là, vous les balayez également. Que oui. ce soit clair Oui, oui. c'est clair. Oui, voilà, clair. D'accord. Je l'ai dit. Même Nous ils avons sont de une gauche, candidature commune. Si... Elle s'appelle Lucie Castet. Et peut-être un dernier point de compromis, puisqu'on voit émerger un, un débat depuis quelques jours sur la proportionnelle, le scrutin à la proportionnelle. Peut-être une sortie de crise, puisque on ne sait jamais si Emmanuel Macron vous promettait une loi sur le sujet. Est-ce que euh, ça vous permettrait de, de peut-être vous dire. On accepte un ministre de centre droit si on, on nous permet justement une loi sur la proportionnelle et de nous de donner plus de pouvoir à l'Assemblée Alors, si la question c'est de savoir si on acceptera un autre gouvernement, non, mais sur la question de la proportionnelle, nous avions nous-mêmes, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait fait, euh, proposé une proposition de loi sur la, la proportionnelle, notamment avec. Euh, hmm. euh, où nous sommes d'accord avec le modem sur cette question-là, pour une proportionnelle intégrale. À l'époque, on l'avait fait type 86 euh, sur le mode des départements. Bon, tout ça peut être discuté, mais nous sommes très favorable à la proportionnelle aux élections et je le dis, dans la précédente mandature nous aurions voté pour et dans cette mandature, lorsque nous gouvernons, nous le Mathilde ferons. Mathilde Panot, très rapidement, Emmanuel Macron a déclaré hier assumer totalement l'octroi de la nationalité française au patron de Telegram, Pavel Durov. Pavel Durov qui a été placé, vous le savez, sous contrôle judiciaire après quatre jours de détention à Paris. Il dit que c'est une naturalisation pour des femmes et des hommes qui font l'effort d'apprendre la langue française je le cite, je cite le président, qui rayonne dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point avec le président de la République sur cette octroi de la nationalité française à Pavel Durov Enfin. Oui, oui, je n'ai aucune polémique à faire. Mathilde Panot constitue un acte fort de contestation contre un gouvernement qu'elle accuse d'agir de manière antidémocratique et autoritaire. En annonçant la saisie du Conseil constitutionnel, elle ne cherche pas seulement à dénoncer les dérives du pouvoir exécutif, mais aussi à revendiquer une défense active des principes républicains et des libertés fondamentales. Ce geste symbolique est un appel à la vigilance, visant à rappeler à la fois aux institutions et aux citoyens que la démocratie repose sur un équilibre des pouvoirs et le respect des droits de tous. Panneau se positionne ainsi comme la voix d'une opposition déterminée à s'opposer à une politique qu'elle perçoit comme déconnectée des réalités du peuple et centrée sur des intérêts d'élite. Son discours cherche à galvaniser les forces progressistes, à mobiliser les citoyens autour d'une cause commune et à renforcer l'idée que la lutte pour la démocratie ne doit jamais être considérée comme acquise. Cependant, les défis restent nombreux. Pour que cette dynamique de résistance se transforme en un mouvement de masse, la France insoumise devra articuler critiques et propositions concrètes en offrant des alternatives viables qui répondent aux préoccupations des citoyens. La crédibilité de son action dépendra de sa capacité à rassembler au-delà de ses bases traditionnelles et à engager un dialogue constructif sur les enjeux qui touchent directement la vie des Français.